Banekwa DMTV News sur internet, bonjour et puis bonsoir, c'est Longue Bodo Landabiso. Lelo DMTV News spécialement toyé pour un meeting au Ezali organisé par la majorité présidentielle Lelo le 29 na stade Tata Raphaël. Donc le décor est déjà planté tous alia na stade Tata Raphaël pour suivre ce meeting Oyo majorité à Zali Kosala à l'intention il y a des partisans naïe et puis il y a des Congolais pape ça directive na bango par rapport à Nengembo Gezo Kende et leur vision par rapport à l'évolution politique, dialogue Ezali Bosso et puis les élections au Ezali Koya dans quelques mois, dans quelques jours, selon les calendriers Ezala fixé par la CENI Oyo, Tozozela, Apesayango. Nous pouvons suivre l'intégralité à il y a message ou encore il y a activité et puis tu écoutes en juste après pour nous conclure l'émission, je pense, sans commentaire. Suivons. Thank you.
vous êtes deux, qui croient que la majorité n'est pas populaire, n'ont qu'à voir les images aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que la majorité, comme vous le dites, elle est très populaire et elle est présente à Kinshasa. Ça, vous devez le savoir. Et je l'ai toujours dit, ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir sur la rue, que cela démontre que vous êtes majorité. Nous, nous parlons par les urnes. Et les urnes l'ont démontré. À ce jour, le président, c'est Joseph Kabila. Et les urnes continueront toujours à les démontrer. Mais aujourd'hui, ça, c'est la face d'iceberg. Comme il est dit, tout corps plongé dans l'eau subit une poussée de diriger du bas vers le haut. Et ce que vous voyez, c'est la face du iceberg. Le plus bas est plus grand. Alors, c'est pour vous dire que maintenant, là, nous venons de vous démontrer, à partir de Kinshasa, que nous sommes majorité. Et voilà que nous venons aujourd'hui communiquer le message que les ingrédients sont maintenant prêts. Nous pouvons maintenant aller au dialogue. Et ce dialogue politique qui permettra ce que nous ayons un lendemain meilleur. Et le deuxième message, c'est de dire que nous devons encourager l'enrôlement pour que nous ayons des élections dignes, crédibles et paisibles. Et que la République démocratique du Congo doit refléter réellement qu'elle est démocratique. Ça ne sert à rien de prêter des intentions, ça ne sert à rien de nous donner des procès des intentions. Le peuple, le MRL dit toujours que le peuple est son patron. Et voilà qu'aujourd'hui nous revenons vers le peuple. C'est le peuple qui est le souverain qui décide. Comme en lingala on dit peuple Mokonzi. Et nous venons de leur démontrer aujourd'hui que c'est nous qui détenons le pouvoir et nous sommes comptables à ce peuple. Je ne sais pas dormir, mais il faut travailler. Je vous en prie. En termes de personnes, il faut être là-bas. Vous avez mobilisé qui? On voit là-bas que vous mobilisez 1 million, c'est bon, mais 1 million, qualité nini. On comprend, hein? Mais si on est aux abos déjà, on a stade Tata Raphaël, tu es bien. Ça fait plus de 50 000 places assises. Si on déborde, on a pelouse. Après, on a président Aubin, on a sa facture pour la pelouse synthétique. Hein? Esprit qui noir, pelouse synthétique. Donc, on a président Aubin, mon majorité, que mon candidat a appelé Louzo vraiment. On a ça qui est débordé, mais aux Alagaga. Côté où on a débordé, c'est la zone interdite. Donc, j'ai dit que ce n'est que le début. Et ça a Oche, Toche. Oche, Toche. Les lots, ce n'est que le début. Après, les lots, ma solo, monsieur, est allé. Et ça qui s'assa, Moutabang Samuningate. Ouais, ça, la véritable quinoa, bah, la véritable, toi, bani. Comment dans la fumée, bon, les hauts sommets, vous comprenez, hein? Bon, ceux qui ont quino, oche, tembe, la gimbuta, oche, qui m'a donné un bail, mais tara, ça dit que notre toi, bani, n'a que ça, toi, bani. Bon, t'as un sou, outa, non, mais la vérité, c'est que ceux qui ont la quine, ça, ce n'est que le débit. Thank you.
d'accord. Merci, qui dit ça, Manerol? Qui dit ça? Qui dit ça, drapeau? Qui dit ça? Qui dit ça? Joseph Kabila Kabange. Voilà ma réponse. Dengue ya kopesa raisi mote. Joseph Kabila Kabange. Voilà ma réponse. Soto Mandeli Mopeti Maramisato. Maramisato. Voilà ta. Joseph Kabange. Voilà. Merci.
Ceux qui me tiennent ici, dans mon
appelle sa vie son stade de martyr. Merci.
Yeah!
Comme on a eu un tout est pour la manifestation et le gouvernement. En tout cas, tout l'a dit message, tout l'a dit retenu, dialogue, tout est un dialogue, ma pour ami. Je suis un ami, 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 bon, en tout cas, ton image était que vous avez la ton plein à craquer. Il fallait donner la martyr. Quand on se bazar libanda, on va cotiter. Mais malasima, il est dans la martyr, tu vas aller bélé. Monsieur Mukewa. Je m'appelle Gianni Moulala Kamunga de la GK Alliance des jeunes kabylistes. Qu'est-ce que vous avez assisté au meeting d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu? En bref, je commence par remercier les organisateurs, l'AMPE dans l'ensemble, et le secrétaire général Arimo Vasakani d'avoir bien organisé cette manifestation. Et la réussite a été totale. Et pour le message du président de l'Assemblée, Obem Inaku, en tout cas, ça nous a touchés et surtout, ça revient à nous les jeunes, parce que les jeunes doivent s'enrôler. La jeunesse est l'ultime époque de la vie qui pourrait assumer la responsabilité d'un pays aux jours à venir. Donc on ne prépare pas la relève. Et les autorités d'aujourd'hui ne voient pas la jeunesse comme étant des responsables du demain. Mais la majorité vraiment a pu penser aux jeunes et il a préparé quelque chose de très bon pour nous à notre faveur. Et je remercie toute l'Assemblée et les présidents du pays. Est-ce que vous vous attendez à ces résultats? Il y a eu quand même...
En fait, on s'attendait vraiment à ça parce qu'on sait qu'on est populaire. Kabila Kabange est le chef d'État, c'est lui qui a plus d'électorat. Même si les gens cherchent à nier cela, on voit ça, vous voyez, vous-même vous êtes témoin. Donc c'est un peu ça. Je n'ai pas à commenter beaucoup, Kabila Kabange doivent continuer, Azala Zala. Donc voilà, Aoumela. Merci. Je réponds au nom de M. Lukandu Charles. Oui, je suis coordonnateur d'une association dénommée Les Amis d'André Kimbuta. Nous soutenons le gouverneur André Kimbuta. Et d'ailleurs, avant de soutenir le gouverneur André Kimbuta, d'abord, le numéro 1 du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a aussi le soutien de notre part. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui apporter notre soutien au dialogue initié par le chef de l'État, qui est vraiment un élément stabilisateur pour le Congo. Donc voilà, nous soutenons le dialogue, nous soutenons l'enrôlement des nouveaux majeurs. Donc, qui est vraiment. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé? Non, ce qui nous a intéressé, la majorité présidentielle a montré de quoi il est majorité. Ça, c'est une démonstration de force. Nous avons suivi avec intérêt le message du président Obin, qui a appelé la population d'aller, d'abord de soutenir les dialogues initiés par les chefs de l'État et d'aller se faire enrôler massivement pour les élections futures. Et par rapport à la mobilisation, comment vous êtes organisé? Parce qu'on a vu quand même pour une fois, ça a été un succès. Non, la majorité, c'est une majorité. Il n'y a pas match, il n'y a pas à discuter. C'est une majorité qui a démontré sa force, qu'il est toujours à côté de son chef, qui est le chef de l'État, Joseph Kabila. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas à discuter. C'est une majorité qui a fait une démonstration de force. Donc il n'y a pas vraiment à étonner, quoi. C'est une majorité. C'est M. Lukandu Charles. Okay. Nous sommes les amis d'André Kimbuta, une association qui soutient le gouverneur André Kimbuta, que nous appelons les jokers des races, Somia Joseph Kabila. Merci beaucoup. Pour participer à l'émission. Bon, étant que citoyen congolais, pour Bazolo Bakeno, un bon citoyen, Azamutu Oyo, Akoki Kolande, la politique Yamboka Nae. Comme Masolé, Betamaki Lelozaki, Masolo, la politique, Yamopé, Najijaki Bona, pour participer, étant que citoyen congolais, Nayoki message, président de l'Assemblée nationale, Obemina Wapesi, à lobby sur le dialogue, en plus, à lobby pour y'a. Enrôlement ya ba nouveau majeur. Yangwana toza ko soutenir ba idiwana eza ba idi moko ya bien mais eloko to senga eza la po ya intérêt ya groupe morote ou bien po ya mutu morote kasi soki oza la po ya intérêt ya peuple congolais na ko encourager idiwana c'est parce que eza idi moko ya malamu to ko soutenir yango mais soza po ya groupe moko ya batu na ko décourager ba idiwana. Activité Sili sans vraiment Kouzoka, tout ça, peut-être Nengo Moneli, rôle Bani par rapport à vous. Bon, na félicité Kaka sécurité Nabiso en plus la police, c'est parce que tout le monde que Mouboulou et Salamite, Moutouazokite, Moutouakoufite, Degama Repete et Bimi, Yangwana, na félicité police nationale Nabiso, en plus na ba élément ya sécurité, Nyo Soweza na Katina. Na ville na biso ya Kinshasa en plus na félicité gouverneur André Kimbuta pour y occuper sa place au na stade de 20 mai en plus na Kimia yepe a contribué na paix oyo. Merci. Comment on a Jacques Gagnon? Comment on a Jacques Soleil a zombi me manganyo. Jacques Soleil. Merci vraiment. Ouais, là na kati. Comment on a c'est Routi Makese. Elle a retenu un journal et donc c'est important pour nous le but de la vie si nous sommes arrêtés tous les là netto à dollars et matin qui te requitter on a retenu un lobby il y a bien la 4 sur moi donc c'est ça donc le lobby est important tout aura la monnaie important qui est dollars et les autres quittent et ça lui rappelle bien la remercier par rapport à la mobilisation de l'équipe. Il n'y a pas eu de désordre. La CPLU fort, on a remercié
la police n'y a seulement le lot pendant tout cas la manifestation n'y a sort parce que Moussa a bien né pendant le lot. Donc on a remercié Bango, ça va continuer pour les bien. Comment on a ces routines ma caisse? Merci aussi. C'est là? Oui, je suis congolais. Vous avez pris part à ce grand meeting qui a été organisé par la majorité présidentielle. D'emblée, qu'est-ce que vous avez retenu d'important pour les autres manifestations? En fait, on a beaucoup parlé, mais l'essentiel était que les élections, il y aura bel et bien élections. Vous voyez que les kits sont déjà là. Les kits sont déjà là. En tout cas, ce sont les signes qu'il y aura bel et bien élections. Okay. Et par rapport à l'organisation, comment avez-vous trouvé Par rapport à l'organisation, pas d'insultes, pas d'injures, pas de cassures. En tout cas, la population s'est montrée civile. Okay. Par rapport à la question du dialogue, vous en tant que Congolais, vous avez aussi le président a dit on parle d'abord au dialogue, après il y aura élection, parce que vous avez parlé d'élection ici. Vous soutenez le dialogue, vous êtes vraiment dans cette ligne droite. Mais sans dialogue, il n'y a rien, même en famille. S'il n'y a pas de dialogue, c'est que la famille n'existe pas. Les signes sont là. Les signes montrent qu'il y aura bel et bien dialogue. Que ce soit nos frères de la majorité ou de l'opposition ou de la société civile, il y aura bel et bien dialogue. Vous avez dit le nom, c'est Monsieur Serge Massela. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis content d'être là. Ouais, je ne sais pas vos questions. Un mot par rapport à la manifestation dont vous avez assisté. En tout cas, je salue vraiment tous les étudiants de l'INA parce que moi, mon nom, c'est Christian Kyulualungu. Je suis étudiant à l'INA. Vraiment, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour le nom d'une personne, de quoi que ce soit, mais c'est que les aînés, les parents, nous, les étudiants quand même, ceux qui comprennent bien, nous devons aller aux élections pour bien soutenir le dialogue, c'est ça. Donc on doit soutenir le dialogue pour bien émerger dans tout ce que nous faisons. Vraiment, nalobi on a linga la kutu naza penza na sengomingi ndenge toza ko soutenir dialogue. En tout cas, honorable Patrick Bologna na bosanite va venir ngai, hein. Donc Ibose Bele, honorable Lunga Songo Mukonzo, sans oublier papa Mushikonkwe. Donc na pesi ba to Bele ba étudiant et Bele va s'adhérer, va soutenir l'idée où il y a chef de l'État, na batunaye ba poule na tout ba parti tout quoi. Donc na loba mingi te quoi bo Monica. Il n'y a pas eu de, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Sur ces points-là, vraiment vous avez posé une très bonne question, monsieur le journaliste. Première fois, parce que Tokoma Obanga, hein, je peux parler Lingala, c'est notre langue. Tokoma Obanga, deux fois qu'aucun débat, manifestation, série, n'a pas eu de festivité. Parce que, elle est qui tellement Kitoko, vraiment, je suis content, je soutiens les chefs de l'État. Coup de chapeau, son excellence, vraiment, monsieur Kabila Kabange. Je soutiens le gouverneur, vraiment, na soutenir tous les bas étudiants, tous les bateaux, bazotanga, na ba obaotanga te, boya na classe, potoye ba oyoninto, salapona mboka Congo, mboka na biso et keliboso. Merci. Ok, merci Bandeko. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre l'intégralité à message au le secrétaire général de la majorité présidentielle à Pessi. En tout cas, Bomoni Binomoro sans commentaire. Et Belé à bateau, ben limite quand même appel Wana. Et puis te féliciter vraiment la police parce que Tozaï Nakati, vous avez vu les images, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu des ordres comme tel. Tu dois retenir le message que la majorité a tigali la position et à soutenir. Il y a Ozala dans l'esprit à dialogue. Balobeli enrôlement et puis Balobeli élection. Voilà un peu l'essentiel, il y a un message, en tout cas pour Nabato, peut-être Balandi Wanate. Il y a eu quand même animation au Bolanda qui avec André Kimbuta, Oyo Abengi Batunyo Sonakimia. Et donc nous sommes l'équipe vraiment dans la paix, dans la quiétude. Et puis, Bomoni Penabili, comment est-ce que Batbazar Obima sans problème? En tout cas, pour une fois, félicitations à l'organisation de l'équipe. Félicitations, Tokuta Nambalasima pour te continuer. Pour continuer ma seconde habitude politique. Et pour cela, je tiens à remercier notre coordonnateur Juno de Moukwata, là où il est à Bruxelles. Bah, nous avons eu la biseau partout en Afrique du Sud, partout. Donc, mon vieux Kabo Sekabe de Suisse-Irlande. Nous avons eu les CG à permettre à biseau de apparaître dans la machine, dans l'ordinateur, dans la place Mozali. Patrick Lesedjina, Maître Bengile, le Dodi Lobsen à Kinshasa,
Merci Christelle Boloka. Merci vraiment la Batunion qui va permettre Bisso. To sala musala onabino to okuta na malasima pour tout développer nenge za la kaka na DMTV News. DMTV News. Merci et à la prochaine. Oh, monsieur le journaliste, vous avez participé en tout cas activement à cette manifestation. Qu'est-ce que vous avez retenu d'emblée? D'emblée, nous avons retenu que la majorité reste, jusqu'à preuve du contraire, majorité, très soudée, très unie autour des idéaux de son autorité morale, qui est le camarade Joseph Kabila. Et cette manifestation prouve à suffisance que la majorité vient de réaffirmer son soutien indéfectible au camarade Joseph Kabila, et la majorité dit oui au dialogue, la majorité dit oui aux enrôlements et la majorité dit oui aux élections futures. Par rapport à la mobilisation, comment vous vous êtes pris? Comment ça s'est passé finalement? J'aimerais bien dire aux gens qui ont toujours tendance à dire que voilà, la majorité et disponibilise beaucoup de moyens pour la mobilisation et d'éradiquer de pareilles idées dans leur tête, parce que par exemple nous au sein du PPRD et dans d'autres parties de la majorité, nous sommes en train de mettre des stratégies en place, de moyens, de communication en place pour attendre de telles mobilisations. Donc c'est pas un hasard, c'est un travail de proximité, un travail de chaque jour qui s'est fait, à la base qui s'est fait pour avoir de telles mobilisations. Ce n'est qu'une partie remise. Les 7, nous serons à l'esplanade du Palais du Peuple et d'autres manifestations viendront. Nous allons encore prouver une fois de plus que la majorité reste la majorité, elle est unie, elle est forte et debout. Et un petit mot par rapport à la sécurité, il n'y a pas eu des casses, il n'y a pas eu de troubles, Une fois de plus, comme je l'ai dit tantôt, la majorité a démontré une fois de plus qu'elle reste disciplinée aussi. Comme vous l'avez soulevé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. C'est une très bonne chose. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi être au pouvoir. Être au pouvoir, ça ne veut pas dire que vous êtes permis de faire n'importe quoi. Et je remercie en ce moment le militant et cadre de tous les partis politiques de la majorité, de tous les mouvements associatifs de la majorité qui ont répondu présents à cette activité et qui ont respecté la logique et la discipline de la majorité présidentielle. Merci, je vous remercie. Je suis de l'ICP. C'est le fouling à Baseka, génial de Congolais pour le progrès. Je voulais faire un message aux Congolais, deux messages. Il y a dialogue et puis il y a élection. Dialogue, c'est très important. Si vous pouvez me permettre, je voulais informer mes frères chez moi. Hein? Je voulais parler à Kikongo pour dire à mes frères de Kwilu. Le dialogue est très important. Sans dialogue, nous ne pouvons rien faire. Moi, je suis un enfant d'un chef coutumier, Kwilu Benoua, qui nous ont dit que c'est très important. Kabila Meku initié Kimamoshi Amfunu, il n'a pas fait que décanter la situation Ming Samanabola. Benoulandave Bituba Tubayabantu. Benoulandave Biloba Lobayabantu. Benoua Makambuya ou Bemina Kusonga Bena Idiofa. Benoua Makambuya Kinke Kusonga Bena Mazi. Benoua Makambamunga Songa Benu Bana Burungu. Nous devons aller au dialogue. Le dialogue va décanter beaucoup d'histoires. Nous devons aller au dialogue. Est-ce que ce dialogue-là ne va pas favoriser les glissements à votre éternité? Allez vous éterniser au pouvoir? Non, il n'y a pas question de glissement. Mon frère, partout vivent les gens, même la Bible nous dit. Le Seigneur a dit à Moïse, dès qu'il y aura des problèmes, choisissez les hommes sages qui vont trancher les problèmes. Ce n'est pas le problème de glissement, c'est le problème des solutions du pays. Glisser quoi et qui? Glisser quoi et qui? Le pays nous appartient tous. Ce n'est pas le problème de glissement, c'est le problème de, le problème de résoudre les problèmes du pays. Ce n'est pas le problème de glissement. Qui cherche les glissements? L'élection. Ils disent que nous avons envoyé aux élections.
mon frère, comment est-ce qu'on peut aller aux élections sans connaître les noms des gens qui vont élire? Hein? Comment? Vous ne savez pas combien qui vont aller aux élections. Les élire. Comment? Nous devons nécessairement recenser les gens qui doivent élire. Avant d'aller aux élections, il faut connaître les gens qui vont élire ces gens. C'est très important. Ce n'est pas le problème de glissement. C'est le problème du pays. Ce n'est pas le problème de glissement. C'est Léonard Mokombo, de l'ICP, Union des Congolais pour le Progrès. Ce que je retiens, c'est la volonté de tout un peuple de regarder la même direction, afin que le pays ne connaisse pas ce que le pays a fait en 90 et en 92. Et les souhaits du mouvement de patriotes pour la démocratie que je représente ici, c'est d'encourager tout le peuple congolais qui pense que dans ce pays, il faut qu'il y ait des élections libres, transparentes et apaisées. Vous pensez comme le CG l'a dit là-bas, les élections passent nécessairement par les dialogues. Vu le temps qui nous reste, nous savons que les élections sont une responsabilité qui n'est pas seulement du gouvernement, qui est aussi le niveau de la classe politique congolaise. Et que nous tous, la classe, nous sommes pour beaucoup pour ce retard qu'a connu notre pays. Par contre, étant donné tout ce qui précède, et avec le souci de sauvegarder les pays qu'a le pays aujourd'hui, nous pensons que ce qui est très important, c'est qu'on regarde sur la même direction, qu'on aille au dialogue, et qu'on arrête un calendrier, qu'on arrête le processus pour qu'il y ait des élections apaisées et transparentes. Parce que même ceux qui veulent les élections aujourd'hui, ils n'iront pas aux élections s'ils ne sont pas convaincus qu'il y a un fichier électoral qui convainc tout le monde, si on n'a pas enrôlé le majeur, si... Ici, et seulement si nous ne connaissons, nous n'avons même pas un cadre électeur sécurisé. Vous voyez les conditions pour lesquelles il faut qu'on ait au dialogue, qu'on mette tout ça en ordre. Et par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui, on a vu que c'était coordonné, il y a eu une mobilisation, et puis il n'y a pas eu de casse ni de blessure. Un mot par rapport à ça. Je remercie beaucoup, avant tout, le militant du mouvement de Patriotes pour la France et tous les autres militants. Vous avez dit que le 27, il y a eu aussi l'arrivée du président Tshisekedi. Effectivement, il n'y a pas eu de casse. C'est pour dire que le travail que chacun de nous fait dans notre peuple est en train de se concrétiser. On ne peut pas, on peut avoir une position donnée, mais on n'a pas droit de se tirer dessus, on n'a pas droit de se déchirer parce que tout ce que nous faisons, qu'il soit opposition, que vous soyez de quelle tendance, c'est pour que le pays avance. C'est ce qui est important. Et étant donné que le peuple a compris que pour que le pays avance, on doit éviter les casses. On doit éviter de se comporter comme si on était des étrangers qui se battaient sur un sol donné. C'est pourquoi vous voyez, le 27, il n'y a pas eu de casse et aujourd'hui, il n'y a pas eu de casse. Voilà. Un rectificatif tout droit, le MPD n'est pas un parti de la majorité présidentielle. Le MPD, c'est un parti de la social-démocratie et que nous pensons que dans notre pays, il est temps que chacun de nous sache faire la politique selon son idéologie politique. Dans la social-démocratie, vous avez le Palou, vous avez IDPS, vous avez PPRD, vous avez tous ces partis, l'action de la social-démocratie. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu d'autres partis de la social-démocratie qui nous ont invités et nous pensons qu'il est normal et que nous partageons avec eux la même idée de sorte qu'on aille aux élections apaisées. Avec ça, le MPD ne peut pas se soustraire à la logique de la social-démocratie. Ok ? Quant à ceux qui refusent d'aller aux élections, nous disons, le MPD pense qu'en démocratie, tout le monde ne peut pas parler le même langage. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas parler le même langage. Et étant donné, comme tout le monde ne peut pas parler le même langage, il faudrait que les amis qui ne veulent pas de dialogue disent à notre peuple quelles sont les solutions qu'ils ont pour que nous ayons un fichier électoral qui va convaincre tout le monde, pour qu'il y ait les élections, que nous allons tous accepter le résultat, pour que nous n'ayons pas la violation des calendriers électoraux ni la violation des constitutions. Et si un groupe des amis ou des Congolais réfléchit comme ça, le MPD va souscrire à la démarche. Et jusque-là, nous pensons que la logique qui est ici pour sauver les biens, les paix que le pays a aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre toute la classe politique ensemble et la société civile afin de faire les élections apaisées. We'll be right back.